Nous allons voir maintenant un autre exercice sur les efforts hydrostatiques sur des paraplanes. Nous avons ce cas où vous avez ce système, un grand réservoir d'eau ouvert à l'atmosphère qui est relié à un conduit comme ça, et ces deux conduits sont fermés par deux ouvertures. Ces deux ouvertures du conduit sont fermées par deux portails qui sont articulés, là et là. Et dans les dimensions, c'est des portails carrés, 4x4, les dimensions sont données sur la figure. Lorsque la profondeur H de l'eau, ici, ce petit H, atteint 5 mètres, les deux portails s'ouvrent en même temps. La question, première question, c'est de déterminer la masse M de cette porte horizontale, horizontal gate, et la force grand R horizontal que je dois appliquer sur le portail vertical pour maintenir le portail fermé. On suppose que le poids de ce portail vertical est négligeable. Donc la première chose à faire, la première étape dans tout calcul des forces, de forces hydrostatiques, c'est de tracer les forces qui sont mises en jeu et leur point d'application. Là, sur le portail horizontal, j'ai la force de l'eau, la force hydrostatique F1, qui est appliquée sur la surface de portail. Cette force, elle est située au milieu, parce qu'on sait que les pressions sur une paroi horizontale, la répartition de pression, elle est constante. Ce qui fait que la résultante des forces hydrostatiques sur cette surface, elle s'applique au milieu. Bien. On a aussi le poids de portail, qui est Mg. Il est appliqué aussi au centre, c'est-à-dire à une distance, les deux forces F1 et Mg sont appliquées au centre de portail horizontal, c'est-à-dire à une distance de grand L sur 2, 4 mètres sur 2, c'est-à-dire 2 mètres, par rapport à cette articulation qui est là. La deuxième force hydrostatique en rouge, c'est F2, qui s'applique sur ce portail vertical en bleu. Et on sait que elle est située quelque part au-dessous du centre de gravité de portail. D'accord? Bien. Donc, puisqu'il s'agit de portails articulés, il y a une articulation, donc automatiquement, on va appliquer les moments. C'est-à-dire à l'équilibre de chaque porte. Par exemple, pour le portail horizontal, à l'équilibre, sigma des moments par rapport à l'articulation O, que je vais appeler O, égale à 0. Donc, F1 fois L sur 2 égale Mg, le poids de portail fois la même distance L sur 2. Donc, je vais perdre les L sur 2 et je vais obtenir F1 égale Mg, dont je tire directement la masse de portail qui est égale à F1 sur G. F1, c'est la force hydrostatique. D'après la première loi, d'après la loi qui donne la force hydrostatique, elle est donnée par rho g, hg fois a. Et hg, c'est quoi? C'est la profondeur du centre de gravité par rapport à la surface libre. C'est-à-dire, c'est cette distance qui est là. Donc, c'est h moins 3. Et dans l'application numérique, h, c'est 5 mètres. Donc, cette distance qui est là, c'est 5 moins 3. Donc, c'est 2 mètres. Et la section, c'est A fois A. A, c'est 4 fois 4. Donc, c'est 16. Puisque la base, c'est un carré, 4 mètres fois 4 mètres. Et une petite remarque là, le F1 qui est là, je peux l'obtenir aussi, je peux l'obtenir par OGAG fois A. Et je peux aussi l'obtenir directement par F1 égale la pression qui est là, fois S. Et la pression qui est là, si je vais appliquer l'hydrostatique, l'équation fondamentale de l'hydrostatique entre ce point et un point qui est là, donc j'ai les mêmes pressions. Et la pression qui est là, c'est quoi? C'est ρgh. Attention, là, j'ai éliminé l'effet des pressions atmosphériques de part et d'autre, parce que là, il y a une pression
Ici, il y a une pression atmosphérique. Là aussi, il y a une pression atmosphérique. Donc, je l'ai éliminé. Donc, c'est pas la peine de la faire directement. Donc, l'essentiel pour moi, c'est que F1, je peux l'obtenir dans ce cas précis. Attention, c'est pas dans le cas de portail vertical. Dans le cas d'un portail horizontal, parce que l'application des lois de l'hydrostatique, le principe fondamental, il dit que les points de même hauteur ont la même pression. Donc, automatiquement, ce point-là, il a la même pression que ce point ici. Et ce point ici, c'est Roger H. Donc, ça va donner directement Roger fois 2 mètres. Donc, c'est le même résultat. Donc, j'obtiens directement la masse qui est égale à 32 10 puissance 3 kg. Je passe maintenant à la deuxième question. Calculer R. Donc, je vais étudier l'équilibre de ce portail vertical. L'articulation, elle est là. Donc, je vais directement appliquer somme des moments par rapport à cette articulation que je vais appeler O', donc égale à 0. Donc R fois cette distance, le bras de levier par rapport à l'articulation, donc c'est L, c'est 4 mètres, égale à F2, la force hydrostatique qui s'applique sur le portail vertical, fois cette distance, le bras de levier, que je vais appeler L'. Bien. Dans ce cas, juste une petite remarque, il faut faire attention entre la ligne d'action que je vais appeler Y' et le bras de levier de la force hydrostatique. Ce n'est pas la même chose. Il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte aussi de la position de l'articulation. Vous pouvez avoir l'articulation là, ou bien quelque part là. Donc, il faut faire attention dans l'application du bras de levier. Ici, le bras de levier de cette force F2, c'est L'. Et L', c'est quoi? C'est toute cette distance qui est là, toute cette hauteur, moins la ligne d'action de cette force. Donc, c'est toute cette distance, donc c'est H plus L, donc 4 mètres, donc H plus 4 mètres, d'accord? La dimension du portail, moins la ligne d'action, Y'. Donc, H plus L moins la ligne d'action. Et F2, c'est quoi? C'est rho g Hg fois A, c'est la première équation de l'effort hydrostatique. Donc, Hg, c'est quoi? C'est la profondeur du centre de gravité. Donc, c'est le centre de gravité de la partie immergée. Heureusement pour nous, la paroi, la plaque, elle est complètement immergée. Donc, le centre de gravité, il est au milieu. Et sa profondeur, c'est toute cette distance qui est là, de là à là. Donc c'est quoi? C'est H plus L sur 2. Donc c'est H plus L sur 2. Et A, bien sûr, c'est L fois L, puisque c'est un portail carré. Maintenant, le Y', la ligne d'action de cette force. Je vais la déterminer à partir de la surface libre. Voilà. Je vais tracer mon axe qui va longer la paroi verticale que je vais appeler Y. Y' par définition, c'est quoi? Y', c'est la ligne d'action qui vous donne la position de centre de pression ou bien de centre de poussée, celui-là, par rapport à la surface libre. Elle est égale dans l'équation 2 des efforts hydrostatiques à Yg, c'est-à-dire c'est la coordonnée du centre de gravité par rapport à la surface, toujours par rapport à la surface libre, plus le moment quadratique de cette surface par rapport à un axe passant par le centre de gravité, c'est-à-dire le moment d'inertie sur A fois Yg. Le moment d'Yg, c'est quoi? C'est cette coordonnée. Donc, c'est clair que c'est H plus L sur 2. H plus L sur 2. Et le moment quadratique de cette surface par rapport à un axe passant par son centre de gravité, il est donné dans la documentation, dans les livres, c'est AL carré sur 12. Étant donné qu'on a un portail carré, donc c'est le A, c'est L carré fois L carré, donc L4 sur 12. Je vais faire une application numérique.
j'obtiens le ICG égale 21,33 mètres puissance 4. YG, cette distance, c'est 5 plus 2, donc c'est 7 mètres. Y' par application de cette loi, donc il va me donner 7,19 mètres, c'est-à-dire toute cette distance, c'est 7,19 mètres. Et L', le bras de levier de la force hydrostatique par rapport à l'articulation O', c'est 5 plus 4 moins Y', donc c'est 1,80 mètres. Donc F2 aussi, c'est quoi? C'est rho G Hg fois A, donc rho G fois Hg, donc 7 mètres, fois A, 4 fois 4, donc 16, ça va me donner 112 10 puissance 4 newtons. Et par application de cette loi, carrément, je tire R de cette équation, donc c'est F2 fois L' sur L, et j'obtiens directement R égale 506,8 kN.